Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité vient donner son point de vue. On parlera dans cette émission de la chute du ministre de l'économie. Hier, Jean-Marie Kalumba a été défenestré du gouvernement par motion de défiance d'un député national. Est-ce que les signes des désamours et des désarticulations de l'Union sacrée, on en parle. On reviendra également sur l'incursion des M23 dans l'Est de la République, sans oublier plusieurs autres questions importantes d'actualité dès l'heure. Un frère, un ami et un confrère m'accompagnent sur ce plateau. Ça fait longtemps qu'il est passé par chez nous aujourd'hui et nous fait encore l'amabilité et l'honneur d'être parmi nous. C'est monsieur Yves Bouya. Monsieur Bouya, ça va? Je vais très bien, te revoir. Trop bien. Mais ça fait plaisir de te revoir. Oui, je vous savais que je n'étais pas sur place, je n'étais pas au pêche. Après l'expo au Dubaï? Oui, j'étais allé couvrir l'expo Dubaï et je vous fais une petite révélation. Vous êtes vraiment porté là-bas. Où ça? À Dubaï? À Dubaï. Ah bon? Très porté par nos compatriotes qui vivent là-bas. Dubaï, on vous salue. Hein. Donc, s'il faut faire les calculs, il y a 3000 Congolais qui vivent à Dubaï. Mais il y a plus de 1500 Congolais qui m'ont parlé de Claude Perrault-Loire. Ah bon? Ouais. Je vous dis, ça me flatte. En sortant de l'aéroport, quand ils m'ont vu te remarquer, ils ont vu te remarquer que c'était moi, directement m'ont cité des noms, en commençant par Claude Perrault-Loire. Et j'ai bénéficié de certains repas. À mon nom. Il faut payer les repas. Ouais, ouais. En ton nom. Il faut foutre en part, papa. Surtout chez un de vos admirateurs, monsieur Diankinda Fils Peto, qui tient un grand restaurant à Dubaï. Monsieur Peto, bonjour. Je serai à Dubaï au mois de. Je serai à Dubaï au mois de juin. Voilà. Donc je vais chercher monsieur Peto pour manger un foufou chaud à Dubaï. Oui. J'ai vu une de vos émissions avec Papa Molière et il a suivi l'émission. Il me dit Yves, c'est Peto fils Diankinda qui me dit Yves, j'adore Perrault, il fait bien son travail. Non, mais je vais le chercher. Je vais le chercher quand je serai à Dubaï, comme ça je vais manger un foufou. Il a installé un très bon restaurant congolais à Dubaï. Les restaurants, je crois, c'est Warren. Et il y a tous les officiels qui mangent là-bas. Mais au-delà de cela, c'est quelqu'un qui est. C'est une personne avec plusieurs casquettes. Hein. Il est businessman, il a sa propre ligne vestimentaire. Et je pense que quand il viendra ici, il fera plusieurs missions avec toi. Il veut maintenant lancer l'emploi pour des jeunes, une idée qu'il porte avec les seaux électriques. Et il s'est dit, c'est tout ça. Il me dit, j'ai même des uniformes à distribuer aux élèves, aux enfants, pour soutenir la gratuité. Il est vraiment nourri, il caresse assez trop d'idées. Mais je pense que quand il sera sur Kinshasa, il va vous rencontrer, vous ferez plusieurs émissions avec lui. Yves Bouya, vous revenez de Dubaï. Beaucoup ont dit que c'était du folklore, du tourisme, et que la République a dépensé de l'argent pour rien. On dit que de tous les stands qu'il y avait là-bas, le plus mauvais stand qui n'était pas décoré, qui n'était pas propre, qui n'était pas visité, c'est le nôtre. On dit que la plupart des présidents de la République ne sont pas arrivés là-bas. Parfois, c'était des maires, c'était des gouverneurs. Mais le nôtre, lui, il est arrivé, ses détracteurs, sur les plateaux de télévision, parlaient d'une certaine jouissance. C'était une affaire de jouissance. Vous étiez sur place. Est-ce que toutes les critiques que nous avons reçues ici, par rapport à cette expo, sont fondées? Non, d'abord, vous savez, je vais rester objectif. D'abord, c'était l'expo Dubaï. Nous, les Congo, nous étions focalisés sur les opportunités. La raison pour laquelle vous aviez vu une délégation du membre du gouvernement, une délégation des ministres, je pense 9 au total, qui ont fait le déplacement de Dubaï pour discuter avec certains investisseurs. Alors, chaque ministre a exposé, selon ses secteurs, en termes d'opportunités qu'offrent certains secteurs de la République. Alors, après cela, il y avait des échanges B2B entre l'AFEC,
je crois, conduit, représenté par M. Léni Londo, M. Albert Yuma, avec certains investisseurs émirates. Donc, ils ont discuté là-dessus. Là, je pense que c'était Samna. Cela revient. Sur nos autorités, voir comment est-ce qu'ils vont maintenant discuter, sceller ces partenariats en termes de développement et en termes d'opportunités avec ces Émirats. Là, c'était un peu ça. Le deuxième temps fort, c'était l'image qu'on allait donner de la musique. C'est vrai, parce qu'on nous a dit qu'on a plus brillé concernant la musique. On a dit que c'était ça notre effort. Non, c'est la jouissance, à l'image de la gestion de l'UDPS. On nous a plus caractérisé avec notre musique. Ça, certains Congolais que j'ai rencontrés, certains expatriés m'ont dit, on a reconnu le Congo qu'avec votre musique. Ça, ils ont dit ça. J'ai posé la question à certains officiels, pourquoi il fallait apporter sous tous ces musiciens-là. Ils ont dit, parce que la musique congolaise est maintenant inscrite dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il fallait aussi faire revivre cette musique congolaise avec Nukalongo qui a joué, Inos B, Jimmy Biana, Maître Gim. C'était un peu dans ce sens-là. Mais en termes de l'exposition, ils ont dit, j'ai dit, mais il fallait voir pourquoi est-ce que les stands a posé problème. Ils ont dit non, c'était... Non, mais est-ce que vous confirmez que le stade du Congo était parmi le j'en viens. Les pires, il semble qu'ils ont dit piètre et n'était pas j'en viens. Ils ont dit, il y avait, ils m'ont dit, ça c'est les ministres, certains ministres qui m'ont dit en privé, ils m'ont dit qu'il faudrait faire la différence entre une foire et un expo. Nous avons choisi cette expo parce qu'il y avait une thématique sur les opportunités que nous avions saisi, que nous devons saisir, sceller avec nos partenaires. Alors, là où j'ai trouvé les bémols, là j'ai mis les bémols, j'ai dit, là j'ai mis un bémol, c'est que notre stand a été catégorisé parmi les pays PMA, dans les pays moins avancés du monde. C'est la raison pour laquelle notre stand n'a pas été construit par nous. Il y a une ligne budgétaire qui a été pays moins avancé. Donc, nous étions sur la même ligne, même catégorie que l'Éthiopie, l'Érythrée, certains pays pauvres. Nos stands, non. Le Rwanda n'était pas là. Non, le Rwanda était là, mais le Rwanda, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Ils n'étaient pas rangés dans le pays paiement. Non, tous avaient construit même leur stade, leur stand. L'Angola, l'Égypte, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, certains pays très avancés, ici organisés, eux-mêmes avaient construit leur stand. Mais nous, le Congo, il y avait une ligne budgétaire qui était réservée par les organisateurs, je pense les Émirats. Ils ont réservé une ligne budgétaire. Chez toi, c'était à l'auteur de 1 500 000 $. Et il fallait juste, nous, Congo, donner ses besoins et aller dévaquer les moyens. Donc, notre stand a été catégorisé parmi les pays moins avancés. C'est la raison pour laquelle on n'a pas conçu notre stand. Donc, mais en termes de représentation, je pense que... Est-ce qu'il fallait que le président de la République aille là-bas? Est-ce qu'il fallait encore que la République dépense des millions d'argent pour le voyage de M. Tshisekedi? Oui, il fallait. Beaucoup ont dit qu'il est venu, il a assisté au concert. Il a. Est-ce qu'il était important que le président soit là? Moi, j'ai dit, c'est la question que j'ai posée aussi à certains ministres. Est-ce qu'il fallait la présence du président de la République? Ils ont dit, quand ils ont discuté en conseil des ministres, le président de la République voulait lui-même porter cette affaire pour dire que c'était les grands Congo qui revenaient. Non, mais il semble qu'il était un des rares présidents de la République à venir. Il n'y en avait pas beaucoup. Certains pays ont envoyé leur maire. Il y a eu deux présidents de la République qui étaient là. Au niveau de la République. Oui, il y avait Zuma qui était là, qui avait fait un tour. Et Uhuru Kenyatta, je pense, avec un premier ministre. Bien avant, parce que c'était des journées dédiées. Est-ce que vous pensez que le Congo a gagné dans cette affaire? J'apprends que le Cameroun, qui a envoyé un maire, est rentré avec 2 milliards de dollars pour développer son secteur des laiteries. J'apprends que l'Afrique du Sud est rentrée avec 7 milliards d'investissements. Nous, on a, à part les choses importantes qu'on a amenées. Ça dépend maintenant de notre sérieux comme gouverneur. Donc, on n'a pas été sérieux. Si, on va voir comment est-ce que nous avions, comment est-ce que la FEC, comment est-ce que le gouvernement congolais va négocier avec ses investisseurs. Ça, c'est très important. Vous savez, nous aussi, nous sommes champions en ça. On commence des idées, et puis après, c'est des idées qui s'unissent dans des placards de certaines autorités ici. Ça dépend des comment nous allons négocier. J'ai vu Yuma là-bas, j'ai vu la FEC, les patronats congolais là-bas. Ça dépendra comment nous allons négocier en termes d'opportunités. Ça dépendra de nos autorités. Mais là, moi, jusque-là, j'attends. C'est là où je dis, comment est-ce que nous allons négocier? Est-ce que nous serons sérieux? Ça dépend, parce qu'il y a eu des discussions B2B
entre investisseurs. Maintenant, on attend maintenant des communiqués ici, des Kinshasa, pour dire, voilà les grandes révélations, les grandes conclusions sur l'Expo Dubaï. Parce que on ne peut pas ici nous dire que tous ces gouverneurs, tous ces ministres qui ont fait le déplacement pour Dubaï en jet, soit avec certains réguliers ici, c'était pour rien. Ça, on ne peut pas vouloir ça. On ne peut pas vouloir que l'argent de la République soit dilapidé. Des millions qui ont été investis pour cette expo soient dilapidés. On ne peut pas vouloir ça. C'est là où je dis, ça dépendra, ça dépend de notre sérieux vis-à-vis de ces investisseurs-là, parce que c'est des personnes très sérieuses. Vous avez vu déjà avec l'affaire d'Ipiro d'ici, comment ça a été négocié, ça posait problème. Ça, les études de faisabilité n'ont pas été menées. Ils ont un avenant ici. Et quand certains ministres ont voulu aller conclure l'accord, certains experts émirés ont dit non. On ne peut pas conclure un accord comme ça parce que déjà il y a des petits couacs sur le plan technique. Alors c'est là où j'ai dit, ça va de notre sérieux. Comme on a toujours un gouvernement où des fois tout passe à la présidence, vous avez des conseillers qui gèrent tout des fois, et des fois ça survole le gouvernement, ça dépendra de notre logique et de notre sérieux vis-à-vis de ces investisseurs. Si l'Afrique du Sud a arraché, comme vous l'avez dit ici, aurait soit arraché 7 milliards de dollars en termes d'investissement, c'est que les États sud-africains a présenté ses opportunités d'investissement, et c'est un gouvernement, une république qui s'est affichée comme une république sérieuse. Et c'est à nous aussi congolais d'emboîter les pas pour qu'on s'affiche comme une république sérieuse en termes de B2B, pour que ces investisseurs puissent venir. Parce que je dis, ces messieurs, quand vous allez à Dubaï, vous voyez comment est-ce que ces messieurs évolue, travaille, c'est des gens qui travaillent dans la transparence. Ils ne sont pas dans l'illégalité, c'est des gens qui sont dans la transparence. Donc ça dépend de nous, gouvernement, comme république, comme pays, comment est-ce que nous allons nous engager avec ces investisseurs émirates. Yves Bouya, qui était donc à Dubaï, dans le cadre d'Expo 2020, qui nous fait un peu le compte-rendu de ce qui a été l'Expo 2020, où la République... Mais c'est que si j'ai découvert, nous avons plus de 3000 Congolais qui vivent à Dubaï, mais nous n'avons pas un consulat à Dubaï. Qui sont dans les formels ou qui sont quand même engagés? Qui sont dans les commerces dans... Non, un consulat, c'est qu'il faut... Parce non, que... je parle des Congolais qui vivent là-bas. Oui, non, il y a des Congolais qui vivent. Certains travaillent dans l'administration. Non, dans l'administration, certains sont dans l'informel, mais ils disent qu'ils n'ont pas de consulat là-bas. Nous, j'ai vu notre capitale à Abu Dhabi, mais à Dubaï, parce qu'il n'y a pas un trafic de Congolais à Abu Dhabi. Le trafic de Congolais, c'est plus Dubaï. Quand vous allez à Dubaï, après les Nigérians, c'est le Congolais. C'est nous, Congolais, qui achetons plus de marchandises. Donc maintenant, les Congolais qui vivent là-bas, soit comme vous avez dit, certains qui travaillent dans l'informel, certains qui sont dans l'administration, mais disent que nous sommes ici, nous rencontrons des problèmes, mais on sait à qui nous confier. Donc ils demandent à ce qu'ils aient un consulat. Mais je dis ici encore au président de la République, il a été par des fois à Dubaï. J'ai vu M. Lutundula à Dubaï. Je crois que c'était sa deuxième visite. Alors, on ne peut pas ici nous dire que nous avons une diplomatie agissante si et seulement si nos représentations diplomatiques à l'extérieur du pays sont quasi inexistantes. Ça ne peut pas se faire. Allez, Yves Bouya, l'actualité ici dans le pays à l'heure où nous parlons, c'est la démission de Jean-Marc Kabound. Il venait de déposer sa démission dans le cadre de ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Après son retour des maladies, parce qu'il faut noter qu'il revient d'une maladie où il s'est fait soigner en Grande-Bretagne. Non, c'est est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que c'était attendu? Il n'y a rien de spécial dans ce que Kabound a fait pour vous? Non, Kabound a anticipé les événements, c'est tout. Il a anticipé, il savait que cette session, la session de mars, allait être la session de tous les enjeux. Ça allait aussi également définir son éviction à la tête, comme au poste des premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. Ça, il le savait. Il a anticipé, il a refusé d'être... Donc, c'est un non-événement pour vous. C'est juste une récupération, une anticipation. Ça se disait déjà. On attend la session de mars. Certains députés le disaient. Attendons la session de mars pour chasser Kabound. C'était ça. Mais il a évité l'humiliation. Il a anticipé les événements. À l'ouverture de la session, on a vu quelques jours après l'ouverture de la session, il a écrit au bureau, il a écrit à Mbosso, il a écrit au bureau pour dire que non, qu'il quittait les postes des premiers vice-présidents. Il a juste anticipé les événements. Ça, c'était clair. Il a évité de subir une humiliation. Ça vient confirmer d'une certaine manière qu'il y a rupture entre Kabound et Tshisekedi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, que Kabound officialise son départ de l'Assemblée nationale,
Quel peut être l'avenir des Kaboun pour vous? Est-ce que vous le rangez désormais dans l'opposition? Est-ce qu'il peut garder encore l'obscurité quant à son avenir? Est-ce que le départ des Kaboun, est-ce que Kaboun ne sera pas un élément gênant pour Tshisekedi? Non, ça sera un élément gênant. Kaboun a été dans les secrets du pouvoir de Tshisekedi, dans les négociations, dans les discussions. Kaboun sait comment est-ce qu'il s'est répartissé, lui, Tshisekedi, l'UDPS, peut-être envers certaines classiques du pouvoir, les richesses du Congo. Il est dans les secrets. On parle d'Eldi ici, qui est à la base de sa rupture avec Tshisekedi, serait des carrés miniers. Les carrés miniers seraient à la base de cette rupture. Il est dans les secrets. Il connaît beaucoup. Il garde des secrets. Je pense qu'à un moment, nous subirons les grands déballages ici. Ça sera les grands déballages, parce que j'apprends certaines personnes dire déjà, dans son entourage, qu'il va mener une lutte, il fera mal au pouvoir, il fera mal à Tshisekedi. Certains disent qu'il serait, il s'est dit même qu'il sera le prochain François Béa. Ouais, c'est ce qu'il se raconte autour de lui. Il dit à ses proches qu'il lui sera le prochain François Béa. Ça signifie qu'il s'est moralement préparé pour affronter Tshisekedi, pour affronter l'UDPS. Ça sera les grands déballages. Kingakat, les discussions du pouvoir, il les connaît. Il est dans les secrets. Nous, on veut voir ces grands déballages, mais heureusement, malheureusement, ça sera des grands déballages qui n'avancera pas les pays. Mais ce qui est bien, on saura comment est-ce que le pays a été géré. Et géré. Donc, Tshisekedi est en danger avec le départ de Kaboun. Oui, ça, c'est un... Quant à l'UDPS, ça sera... Kaboun, c'est la créature, l'autre, c'est le créateur. Kaboun sera une épine sous les pieds de Tshisekedi. Il sera une épine sous les pieds de Tshisekedi. Quand il dit à ses proches qu'il sera le prochain François Béa, ça signifie quoi? Il s'est préparé moralement, il accepte d'aller en prison, il accepte même la mort. Mais j'ai dit ici, ça sera des déballages qui n'avancera pas les pays. En quoi est-ce que le pays va avancer? Mais on veut attendre ça. Comment est-ce qu'ils ont mal géré les pays? Comment se sont distribuées les richesses du pays? Comment ils ont triché? Ils ont voulu la victoire des Fayoulou. C'est ce qu'on veut entendre. Ce sera de vérité. Tu sais, ici, il y a une vérité, il y a un escalier, hein? Le côté, il y a un ascenseur. Nous, on veut attendre comment ils vont se jeter des pics ici pour dire que non, ce n'est pas lui qui a gagné, c'est Fayoulou qui a gagné. Et ça va réconforter Fayoulou dans sa lutte. Ça va réconforter l'opinion. Donc, vous le voyez là, Jean-Marc Kaboun venir renforcer les rangs de l'opposition contre Tshisekedi. Mais si il blanc dans le schéma du Congo, où sera le problème? Le schéma du Congo, c'est ceux qui veulent qu'ils se battent pour l'intérêt du Congo. Non, mais il y a encore quelques jours, il était là, il était dans le schéma des fossoyeurs. Est-ce que vous, on peut le recevoir? Moi, écoutez, si je vous dis dans cette perspective 2023, il y aura des blocs qui vont se créer. Si les gens mènent tous les mêmes combats pour un lendemain meilleur du Congo, pourquoi est-ce qu'on doit les refuser? C'est comme moi ici, je vois ce que ma tante a fait. J'ai dit bravo à ma tante, j'ai toujours été dur et contre ma tante. On va en parler d'ailleurs. Oui. Mais quand ma tante a dit, je refuse une palissade. Avec cet argent, je pouvais peut-être, on peut acheter, reconstruire des écoles, des bâtiments, acheter des avions. Il y a les schémas du Congo. Mais les palissades, aujourd'hui, qui font la fierté de certains députés, quand ils descendent, ils circulent sur les routes de Kinshasa, glace baissée, ils sont tout contents. Mais il y a quand même quelqu'un qui dit, je refuse. Bien qu'il en a aussi, mais il dit, je refuse quand même cet acte-là d'abord. Je dis bravo. Donc moi, j'estime que Kaboun sera une épine sous les pieds de Tshisekedi. Pas de l'UDPS de Tshisekedi. Kaboun, c'est cette personne d'entourage de Tshisekedi qui aveuglait presque les présidents. Vous savez que les choix, vous le savez, plusieurs choix qui sont opérés en termes de gouvernement, de nomination, dans les entreprises. Tony Mwaba notamment, oui. C'est une nomination Kaboun. Bon, moi, Tony Mwaba a toujours nié ça. Il n'a jamais été Kaboun. Il a dit que lui a été à l'UDPS à sa manière. Il m'a dit, c'est la question que je lui ai posée une fois. Il a toujours nié ces faits, qu'il n'a jamais été pro-Kaboun. Mais les gens, là, la nomination de Asselo, par exemple, c'était pas Kaboun. C'était pas Asselo. Certaines sources parlent, crédibles, de Guy Mwadianvita. Qui était pressenti pour être ministre de l'Intérieur. À l'intérieur. Guy Mwadianvita, du journal officiel. Alors, ces sources nous disent, c'est Kaboun qui vient, qui impose Asselo pour dire, comme c'est un poste qui revient à l'UDPS, voilà nous, comme candidat,
côté de PES, voir la personne, c'est M. Asselo. Bien que c'est Asselo là, aujourd'hui, soit en guerre contre Kabound et Kabouya, parce qu'il ne maîtrise plus Asselo, Kabouya, Kabound. Mais la personne qui a implé, personne qui a imposé Asselo comme VPM à l'intérieur, c'est Kabouya et Kabound. Mais c'est plus Kabound qui a pesé. C'était lui l'homme fort. Les ponts entre Tshisekedi et l'Union Sacrée, c'était Kabound. Les nominations passées par Kabound. Donc il a été dans les secrets des dieux, mais c'est quelqu'un qui sera une épine sous les pieds de Tshisekedi. Est-ce que vous pensez qu'il peut déstabiliser Tshisekedi? Tshisekedi a quand même le moyen de l'État, c'est lui le président de la République. Il a la machine de la République. La force. Aujourd'hui, Kabound devient. Il a la force publique. Kabound devient téméraire. Kabound devient téméraire. Comprenez Kabound. Il devient un téméraire. Tu sais ce que signifie un téméraire? C'est quelqu'un mobali. Des gens qui n'ont pas qui insistent. Les gens qui avancent maintenant sans regarder derrière. Oui, Kabound devient un téméraire. Les gens ne le comprennent pas. Moi, je suis joueur, c'est pour que je comprends ça. Maintenant, on doit nous poser des questions. Qui est, soit qui sont derrière Kabound? La maison de Kabound sur je pense c'est à Kingabwa. Qui ont construit cette maison à Kabound? On dit que c'est des Chinois. C'est des Chinois. Devant Kabound, la route qui passe devant Kabound, c'est asphalté, non? C'était pas asphalté. C'est les Chinois dans le cas de Chilegelo. Vous savez ce que ça signifie? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous arrivez à ce que je veux dire? Vous comprenez? Donc il y a des entrées en Chine? Non. Quand je dis c'est des Chinois, la guerre aujourd'hui que Tshisekedi a à l'international, une fois qu'il est mis en difficulté, c'est la guerre entre la Chine et les États-Unis sur le minerai. Vous comprenez ça? Tshisekedi a promis aux Américains de récupérer tous les minerais ici. Tous les minerais récupérés, pris par les Chinois. Dans le cadre du contrat chinois-congolais. Les Chinois-congolais. Et on a dit qu'il fallait revisiter les codes miniers. Puis après, non, il ne fallait pas revisiter, il fallait revoir. Ça posait trop de problèmes. Mais les Américains oublient qu'ils avaient tout vendu légalement. De certains carrés miniers sur légalement aux Chinois. C'est le cas ici de Tekefunguru, mais que les Chinois ont racheté. Mais à un moment, les Américains, ces Chinois voient, tu sais qui dit, céder ce qu'ils ont acheté légalement, vouloir céder ce qu'ils ont acheté légalement aux Américains, ils se disent non. Qu'est-ce qu'ils font? D'après certaines sources ici, il y a une infiltration. Et il fallait, c'est passé par Kabound. C'est passé par Kabound. Donc, ce n'est pas un Kabound qu'on a connu qui est revenu de Kamina, je pense. Hein. Kamina, oui. Yves Bouya dit qu'il est venu avec un sandal et sur un cargo. Ouais, peut-être. Ça, c'est Eric Wimba. Wimba, canal, cargo. Il dit qu'il est venu dans un cargo avec un sandal. Mais ce n'est plus le Kabound aujourd'hui. J'ai dit c'est un Kabound. C'est Wimba qui a l'habitude de dire. Oui, oui. Donc, c'est un Kabound téméraire. Vous savez ici comment le Congolais aime les postes et tout comme ça. Vous voyez Kabound facilement démissionner de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais un des grands dangers, on dit que c'est Kabound qui a le secret de. Du changement de la majorité, il peut faire mal avec ses députés. Mais vous savez ce qui s'est passé avec ces changements de la majorité? Qui avait porté cette initiative? C'était Kabound. Il fallait renverser la majorité. Et qui a porté la motion de défiance? C'était Pouéla. Mais vous savez ce qui s'est passé en contrepartie? Il fallait avoir la tête des atouts. C'est ce que les Pouéla entre, d'après nos sources crédibles ici, on demandait à Kabound. On porte cette motion contre Mabunda, mais nous au Congo Central, on ne veut pas dire à tout Matoubana. Mais ce qu'on fait, vous nous faites partir à tout. Mais c'est Kabound qui était dans les secrets du changement de cette majorité. Kabound a concédé, c'était des concessions qu'ils ont faites. Kabound a concédé. Mopo il apporte la motion avec certains des Congos qui étaient contre à tout. Mabunda tombe et ici. Il faut revenir à tout, ici bloque à tout, il remplace à tout illégalement là-bas. Par Justin Luemba. Par Justin Luemba, qui ne sait même pas gérer la province jusqu'à présent. L'homme de Yamami. D'ailleurs, vous l'avez vu lors d'une de ses sorties ici à l'occasion de la journée commémorative sur l'ALDC de Kassavubu, un gouverneur qui s'affiche en t-shirt de Fabrice Albert Pouéla, c'est quand même grave pour un gouverneur. Aï, porter un t-shirt à l'effigie d'un ministre, c'est grave. Là. Donc Kabound a été dans ses secrets. Je connais tes proximités avec Atou Matoubana, c'est normal, non? C'est pas grave. Non, c'est pas question, c'est des vérités. C'est des vérités que j'ai dit, si je suis objectif, c'est des vérités.
Donc, c'est pour dire quoi? Pour revenir à ta question, Kaboun, retenez-les ici, sera une épine sous l'épée de Tshisekedi. Une épine. Et c'est depuis l'UDPS que Tshisekedi, comme président de l'UDPS, du Rassemblement, il avait toujours eu, je pense, des réserves envers Kaboun. Beaucoup de gens dans l'UDPS l'ont dit. On dirait que Kaboun a avéré à Tshisekedi. Parce que tout ce que Kaboun disait, Félix, écoutez, s'inclinait, même devenu président. Souvenez-vous de la rencontre Bemba Katumbi et le président de la République. Mais Bemba Katumbi n'était pas au courant. Il s'installe avec le président de la République, la porte s'ouvre, c'est Kaboun qui entre, qui s'installe. Certains Bemba Katumbi étaient surpris. Mais disent, mais le président, moi, ce sont des certains Bemis et Katumbis qui me l'ont dit en privé. Mais comment une rencontre qui devrait sanctionner, qui devrait nous devons avoir une rencontre autour de vous, qui est à trois, mais il y a une quatrième personne Kaboun. Et pendant les discussions, Kaboun, des fois, interrompait le président de la République. Et lui-même l'a dit à certains députés de PES. Aussitôt, j'ai dit au président de la République, monsieur le président, arrêtez. Donc, vous voyez ce qu'il représentait auprès de Tshisekedi. C'était des plus d'épaisse. Il a transporté ça à la présence de la République. Il est aussi il détient beaucoup de secrets, mais je pense que, même la stratégie, je pense qu'il la détient. Donc, c'est une grosse perte pour Tshisekedi. Hein. Ça risque, Kaboun, le bateau risque d'être tombé avec le départ de Kaboun. Je disais, Kaboun, c'est cette personne qui fera mal à Tshisekedi. Ça, retenez-le. Parce que je le trouve téméraire. Il fera très mal à Tshisekedi. Et le fait qu'il soit téméraire, retenons qu'il a des appuis derrière lui. Attendons voir, surtout qu'il y a des grands enjeux qui arrivent avec les élections prévues l'année prochaine. On reste à l'Assemblée nationale, M. Bouya. L'Assemblée nationale, c'est aussi pour la première fois la chute d'un ministre par motion. Le ministre de l'économie est donc parti du gouvernement hier, a pris une motion, je crois, des Liézer. 364 députés ont voté contre. Oui, Bindoulé. De l'UNC. Oui, soutenu aussi par Eliezer. Est-ce que pour vous, c'est une expression de la démocratie ou plutôt la preuve de la faiblesse de l'enracinement de l'Union sacrée au sein de l'Assemblée nationale? Écoutez, d'abord, je suis journaliste, je vais vraiment dire, d'abord, c'est un bel exemple. Pour une république qui doit avancer. Le ministre de l'économie, ici, vous savez qu'il a été dénoncé par tout le monde. C'est un bel exemple pour moi, pour la démocratie. Ça sera aussi une image pour d'autres ministres qui seront maintenant appelés à mouiller maillot pour la République. C'est donc vous réjouissez que pour moi, la Chambre basse du Parlement ait décidé de faire tomber un ministre. Pour moi, c'est un bel exemple pour une démocratie qui doit avancer. Pour moi, c'est un bel exemple. Si c'est une république, c'est un bel exemple. Mais là n'est pas les problèmes. Les problèmes, ce ministre de l'économie qui est de l'AFDC, il peut être remplacé. Mais peut-être, il va aussi sera dans la magouille. Mais les vrais problèmes, c'est les sommets de l'État, les leaderships. C'est ça les vrais problèmes. Au-delà que j'appuie l'exemple, mais les problèmes demeurent, c'est les leaderships. Et les leaderships de Tshisekedi ne voient pas. Ça pose toujours problème. Ça pose toujours problème. Et ça, c'est pas le fait d'être proche des Fayoulou qui vous dit ça. Vous rapprochez quoi au leadership? Non, c'est un leadership qui pose problème. Dans quelle mesure? Dans quel domaine? Non, on aura toujours des ministres qui seront sous sa protection. On aura toujours des conseils qui seront avec lui, qui vont toujours discuter à la place des membres du gouvernement, à la place du gouvernement. On aura des ministres qui seront protégés par ses conseillers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous nous dites quoi? Ne nous réjouissons pas trop vite pas trop du départ de M. Kalumba. Le problème, ce n'est pas Kalumba, le problème, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi, son leadership. Parce que j'ai dit ici, il y a des ministres qui sont protégés par certains conseillers. Non, mais Kalumba, c'est quand même, il a quand même trempé dans certains actes que beaucoup considèrent comme étant les actes des compétences, notamment les députés. À cause de lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait de nos 6 millions. À cause de lui, aujourd'hui, il rabaisse de manière unilatérale les billets d'avion. Les Congolais ne savent plus voyager. À cause de lui, on ne sait pas quel carrage macroéconomique nous avons. Non. Mais tout ça, il est chef de ses départements. C'est lui le responsable. Tshisekedi n'est pas là. Ce n'est pas Kalumba. Je vous ai parlé du leadership. Comment est-ce qu'on peut revoir à la baisse les prix des billets d'avion? Pourtant, on n'a pas d'avion ici. C'est illogique, c'est bête. Il fallait anticiper d'abord.
La discussion sur les chinchards qu'on devait ramener ici, est-ce que c'était l'initiative propre de Akalouba? Akalouba, non. Ça a été discuté en conseil des ministres, mais je sais ce qui est du présent. Approuvé par Samachou. Tout un gouvernement a décidé là-dessus. J'aime bien quand tu dis ça. Et la République a investi des moyens. Et ça, c'est Kalumba. C'est pas lui. C'est le sommet. Mais j'ai craint. Il est parti. Pour moi, c'est un bel exemple pour l'Union sacrée. C'est un bel exemple. C'est un exemple pour d'autres ministres qui se diront « Oui, mais Nala, on ne peut plus blaguer avec la République. » Quand vous parlez de Kalumba, j'ai vu notre ministre qui a fait, qui a été piètre à l'Assemblée nationale, c'est assez long. Le VPM intérieur. Oui, vous avez vu comment est-ce qu'il a été désarticulé par certains députés. Désarticulé par certains députés. Certains députés lui-même dit, mais là, monsieur le ministre, vous devez carrément démissionner. Moi, ça me réconforte. Parce que tout ce que je disais sur Asselo, aujourd'hui, c'est la représentante nationale qui a compris, qui a écouté, que Asselo n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à son poste. C'est un incompétent, Asselo, pour vous. Non, il n'est pas dans sa peau. J'ai vu. Il n'est pas à la hauteur de fonction. Il n'est pas à la hauteur. Mais monsieur l'ancien ministre, l'ancien gouverneur de la ville ici, Kimbunda. Jean Kimbunda. Jean Kimbunda. Kimbunda ou Kimbuta? Kimbunda. Kimbunda, oui. Il a administré une belle délation, une belle leçon à celle sur le fonctionnement de l'administration, de la territoriale de l'administration. Il a dit carrément, monsieur, mais faites la honte de l'UDPS. Vous devez carrément démissionner. C'est là où j'interpelle Mbosso. Certains députés disent Mbosso veut les protéger, veut protéger M. Asselo. Non, il ne doit pas les protéger. S'il faut que M. Asselo tombe, il doit tomber. Est-ce qu'il y a une motion? Ils ont transformé ça en motion ils vont transformer l'interpellation en motion. Il y a déjà, je vous donne l'information, il y a déjà 60 signatures. 60 signatures contre Mbosso, contre Asselo. 60 signatures. Et des députés me l'ont confirmé. Plus de 60 signatures. Comme Kalumba est tombé, je pense que la semaine prochaine, ça sera aussi... Non, mais ça risque d'être une jurisprudence. C'est pratiquement une vanne qui vient de sourire. Non. La plupart des ministres de l'Union, ça risque de se retrouver en danger à cause de ça. Mais quand on t'appelle à l'interpellation, tu es interpellé à l'Assemblée nationale, tu ne te justifies pas. Tu ne te justifies pas. Et c'est des ministres dont les têtes énervent l'opinion. Vous avez vu comment est-ce qu'il a répondu aux députés provinciaux ici à Asselo? Est-ce qu'un homme d'État peut répondre ainsi, peut parler ainsi publiquement? C'est là où j'interpelle certains députés ici. Ils sont face à leur responsabilité. Je loue l'initiative de ces députés qui ont mené cette motion contre Kalumba. Je cite ici Eliezer Tamboué, Bindoulé, Ogi Kalonji. Je dis bravo. Mais ne vous arrêtez pas là. L'opinion vous suit, l'opinion vous voit. Ce que vous avez fait, cela montre à suffisance que vous voulez que ce pays puisse avancer. Et je demande aussi à notre député national d'emboîter les pas par initiative. Parce que ces députés-là, demain, ils répondront. Demain, il y a 2023 qui arrive à grands pas. Qu'est-ce qu'ils diront à leur base? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai toujours été en désaccord avec Papa Molière et Malema, complètement. Mais quand j'ai suivi ce qu'il a dit à la réunion des députés de l'Union Sacrée, en présence de Sama, des Bahati, des Mbosso, ils ont tous dit on ne veut plus de cette manipulation. On vient vous nous manipuler à l'Assemblée nationale, et puis après, on doit faire rapport au niveau de notre base. 2023 arrive, on n'aura pas de discours. C'est là où j'ai dit, députés, réveillez-vous. C'est piètre, ministre, sanctionnez-le. Sanctionnez-le. Donc pour vous, le gouvernement, ça m'a été un gouvernement des ministres qui sont piètres. Écoutez, il y a des ministres qui ne doivent pas être ministres là-bas. Je n'ai pas dit assez long. La leçon que ces députés, certains députés nationaux, ont administré assez long en termes de la gestion de la territoriale, ça prouve que ces messieurs ont un problème. Déjà, c'est mea culpa. Quand il dit, j'ai mal parlé aux députés nationaux, ici c'est l'occasion pour moi de présenter mes excuses. C'est grave. Il a vite compris, c'était très mal comporté. Asselo dit en privé ici que là, je sais qu'il y a le prochain remaniement qui arrive, je serai même plus là, je vais partir. Les gens qui l'ont porté, Kabou Yakabound,
il ne discute plus avec Asselo. Mais pour une fois, l'opinion a compris que mon combat, moi, Bouya, contre Asselo, c'est un combat noble, c'est un combat juste. Un combat et ça, les députés nationaux ont approuvé cela. Un combat de faillulistes infiltrés dans, dans les médias. Dans les non, c'est pas ça. C'est un combat. Mais, M. Claude Perrault-Louara, est-ce que vous avez vu ces débats hier? Vous avez suivi les débats? Il fallait suivre ces débats. Au moins, l'opinion a compris que M. Asselo ne mérite pas ses postes. Il ne mérite pas ses postes. Regardez-moi les commerces qui gèrent les provinces. Ça pose quand même problème. Quand un VPM est hué par les députés provinciaux, c'est grave ça. Vous avez déjà vu un VPM ici, soit un ministre de l'Intérieur, être hué par les députés provinciaux. On n'a jamais vu ça. Parce qu'il est, accusé de mal gérer les assemblées provinciales. Quand il dit, on l'appelle monsieur, full stop. Il dit à certains gouverneurs intérimaires ici, pose la question à Pouvi Massouk avec qui vous êtes très proche d'elle. Hein? Il dit toutes vos dépenses là, toutes vos dépenses en termes de gouvernance, vous devez me tenir informé au préalable. Et ça s'est fait? Ça ne s'est fait pas. Mais il dit à certains gouverneurs ici, ne nommez pas intérimaires, mais certains gouverneurs qui nomment. C'est pour dire quoi? Qui respecte aujourd'hui Asselo? Personne ne respecte Asselo. Donc, l'opinion a compris. Donc là aussi, le problème d'Asselo, vous tenez Tshisekedi responsable. Parce que pour Kalumba, vous avez dit que ce n'est pas Kalumba. Je vous dis, même si Asselo tombait, tous les ministres qui tomberont au niveau de l'Assemblée nationale, pour moi, il faut que Tshisekedi impose son leadership. Le leadership, c'est quoi? Donc, le feu de Tshisekedi est faible. C'est faible. C'est sa vision. C'est ça, sa vision. Le leadership pose problème. On est là à 3 ans, 4 ans, nous sommes en train de patauger. Les pays voutrent. Nous sommes en train de voutrer. Mais quand le leadership pose problème, cela signifie que le leadership pose problème. Ça pose problème. On peut faire tomber des ministres, mais si le leadership ne changeait pas des paradigmes, les leaders, la personne qui gère les pays ne changeait pas des paradigmes, on peut mettre plus, on peut changer des ministres. Donc vivement 2023, en 2023, vous battrez campagne contre Tshisekedi, vous? Moi, mais écoutez, comment est-ce qu'on peut défendre les bilans de Tshisekedi en 2023? Gratuité de l'enseignement. Ça patouche. Droit des hommes. Aujourd'hui, vous pouvez passer à la télé, vous les critiquez. Non, mais écoutez, les ministres de l'ECD qui ont été arrêtés pendant, qui ont bénéficié des 10 ans illégalement comme ça d'arrestation, illégalement Makala, c'est normal? Les jeunes Loucha Filimbi, toujours en clandestinité, c'est normal? Les manifestations ici brimées, c'est normal. C'est un bilan, excusez-moi, chaotique. Donc je disais, on peut changer 25 ministres. On peut déchoir 50 ministres. Mais si le leadership pose problème, les leaders ne changent pas de paradigme, le pays va toujours voutrer, le pays va toujours sombrer. Donc Asselo peut partir. Moi, je souhaite le départ d'Asselo parce qu'il a prouvé ses limites, son incapacité à gérer ses ministères. Je souhaite le départ de tous ces ministres qui ne travaillent pas très bien, ils doivent partir. Pour moi, le départ de Kalumba est une jurisprudence. J'appelle les certains députés nationaux de poursuivre sur cette route, sur cette lancée, c'est une bonne lancée pour la République. Donc, ces ministres qui ne travaillent pas bien pour la République, c'est des ministres qui doivent carrément partir. Mais au-delà de cela, les leaderships posent problème et les leaders doivent revoir aujourd'hui des paradigmes. Il faut aussi ajouter, au départ de Kalumba, c'est une guerre au niveau de l'Union sacrée. Ça, c'est un coup de main sûr contre Bahati. Ah, donc c'est un plan contre Bahati, ça? Mais c'est un vrai coup de main sûr contre Bahati. Bahati récupère toujours des ministères clés, vous ne le voyez pas, travail, économie. Et quand vous voyez bien, c'est là où Bahati le met passer. Travail. Il était le ministre de l'économie. Portefeuille. C'est ça. C'est toujours ça, Bahati. Maintenant, ça va déséquilibrer l'Union sacrée. Le gars qui a été, Chris Moukeni, qui a été chassé à l'Assemblée nationale, dans la salle de la plénière, il est de là, décédé Bahati. C'est un congrès de l'Union sacrée. Il est très proche de Kalumba. Je pense qu'il a même travaillé dans les cabinets. Quand on les chasse là, c'est pour dire quoi? C'est un message qu'on lance à Bahati. Un Bahati qui veut récupérer le leadership de l'Union sacrée. Il veut devenir la plaque tournante au niveau de l'Union sacrée. Et c'est un vrai coup de main sur contre Bahati qui doit comprendre ça.
Vous savez que, bah, tiens, prévu des fois, les rats, des fois, moi, des fois, je m'en réjouis. Parce que, des fois, quand je suis là, je m'appelle, mais Yves, me donne des informations sur Bahati. Quand le président était allé se faire soigner en exil ici, Bahati, en privé, ça, c'est selon mes câbles, hein, selon mes informations. il disait à certains de ses proches, ben, vous savez, qui m'ont rapporté l'information. Hein. Mais Yves, vous savez ce que l'autorité nous a dit en privé. Ils ont dit quoi? Il a été plusieurs fois ministre, mandataire, député. Il a siégé dans les bureaux de l'Assemblée nationale sous Bahati, je pense, questeur. Sous Kamere Sori, il a été questeur. Mais dans les, voilà Bahati, président de l'Assemblée nationale. Dit, oh, président du Sénat. Président du Sénat. Je dis, oh, maintenant, ça se dit quoi? Oh, vous comprenez que non, ça arrive. Il nous reste qu'un seul poste. Ça, c'est les gens de Bahati qui me le disent. Ah bon? Donc, ça veut dire quoi? Bahati a occupé toutes les fonctions du pays. Maintenant, il nous reste qu'un seul poste. Et c'est le dauphin constitutionnel du président de la République. Je dis, il reste à l'autorité morale un seul poste. Un seul poste, ça signifie que c'est quel poste? Mais tu connais le seul poste que le président n'a pas encore brigué, l'autorité morale. Eh bah, tu le connais, on n'a pas encore brigué. C'est la présidence. C'est là où je dis à l'UDPS, vous devez ouvrir l'œil et bon. Au nom de quoi, même pour les élections de gouverneur et vice-gouverneur, bah, tu peux rafler, des, je crois, six postes de gouverneur. Non, on parlait de poids politique. Hein. On est en politique, c'est pas un cadeau. Politique. C'est pas un cadeau. Écoutez, Bahati a un poids, pas poids ça, politique. Il a travaillé pour avoir des députés. Non, pas poids politique. L'UDPS et les partis présidentiels. Toute discussion. Avec combien de députés? Même pas ça. Combien de députés? Écoutez, expliquez-moi la dominance de l'UDPS, du PPRD sur les autres partis politiques. Mais voilà, ils étaient majoritaires. Au-delà de ça, c'était quoi? C'était les partis présidentiels. Tout revenait au PPRD. Même si là, ils étaient minoritaires dans certains coins. Bahati était plus fort que les PPR dans certains coins de la République, mais avait des postes qui revenaient au PPRD. Ça, vous ne le savez pas. L'UDPS et les partis présidentiels, bien que ça moins de députés, mais quand il faille discuter quota, répartition des postes, c'est l'UDPS qui doit discuter de cela. C'est les partis présidentiels. C'est les partis phares. L'AFDC a plus de députés que l'UDPS. Mais est-ce que l'AFDC est le parti phare de l'Union Sacrée? Ce n'est pas le parti phare de l'Union Sacrée. Le parti phare de l'Union Sacrée, c'est l'UDPS. C'est le parti phare. On ne peut pas dire que l'Union Sacrée, le parti phare de l'Union Sacrée, c'est Ensemble. Non! Ensemble a plus de députés que l'UDPS. Bahati a plus de députés que l'UDPS. Mais l'UDPS est le parti phare de l'Union Sacrée. De Molovani, s'il faut discuter poste, quota, l'UDPS doit discuter en premier. Et puis, ils font la restribution au niveau des autres partis politiques. Maintenant, là, l'UDPS ne comprend pas ça. Ils discutent les postes, les quotas des gouverneurs et vice-gouverneurs. Bahati rafle, je pense, 6 postes de gouverneur. Et l'UDPS, je crois, avait 4 ou 5. Et c'est ce qui a capoté. Encore, c'était encore une bourde. De Kabouya qui suivait Bahati comme un petit enfant. Vous avez vu les photos ici sur le tapis rouge, lui qui est secrétaire général du parti présidentiel. Tu vois Bahati, tu es derrière lui, t'amène comme un enfant. Dit, non, tu t'imposes en tout et pour tout. Tu te présentes comme secrétaire général du parti au pouvoir. Est-ce que vous voyez comment est-ce que les Bahati, les Minakou s'est comporté? Le vieux Koyagialo s'est comporté. Il n'avait pas de poste, mais s'est comporté en secrétaire général du parti présidentiel. Et ça, l'UDPS ne comprend pas ça. Maintenant, je pense, maintenant, avec le coup dur qu'il vient de recevoir avec le départ de son ministre, je pense que là, il comprend que c'est maintenant une guerre ouverte contre lui, contre Bahati, qui avait des idées démesurées. Il a été député, il a été DG, il a été questeur sous Caméré, au bureau de Caméré, il a été maintenant, sénateur. Maintenant, en cas de couac, en cas de malaise, en cas d'empêchement, c'est l'autorité morale. Non, mais c'est pas de la volonté de Bahati. Non, c'est la loi qui. Non, c'est la loi qui fait de Bahati les défauts constitutionnels de M. Tshisekedi. Quand Bahati a dit non, je. C'est moi, pas Bahati qui a rédigé la constitution. Non, c'est Bahati tranquille. Bahati, c'était. Vous savez comment s'appelle Bahati?
Maradona. Madame, monsieur, vous savez pourquoi on l'appelle Maradona? Maradona était un bon joueur. Également un bon dribbleur. On est en politique? Hein? On est en politique. C'est ça que j'ai dit. La politique, c'est pas un monde. On est en politique. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Non, on nous sommes en politique. C'est un monde où on te donne des coups. Ça, tu as raison. Oui, oui. Mais là où on ne peut pas reprocher à Bahati d'utiliser les règles qu'imposent les jeux dans lesquels il évolue. Vous avez complètement raison. Et Maradona, il joue pour un jeu où il faut être. C'est là où maintenant je tire les oreilles de l'UDPS. C'est pas à Bahati de réveiller. C'est à l'UDPS. On va passer à autre chose. C'est l'UDPS qui pense que. Non, vous chutez. Au nom des lignes sacrées. Madame, monsieur, vous suivez l'émission. Que tout le monde essaie, tout le monde est propre. Notre invité de ce soir, c'est monsieur Yves Bouya. Une autre épine sous l'épée de Tshisekedi sera Bahati aussi. C'est monsieur Bouya qui est donc notre invité. Nous faisons la lecture de l'actualité avec lui. Bouya, l'actualité, c'est aussi cette nouvelle guerre dans l'Est de la République. On nous a dit que le Rwanda était derrière. On a un ministre des communications qui la veille est passé sur TV5 Monde, tout feu, tout flamme. Le lendemain, comme si on a tiré ses oreilles, il revient, il fait son mea culpa sur RFI en disant « Désormais, on met en place... » Est-ce que vous croyez que le Rwanda est derrière? Comment analysez-vous cette nouvelle incursion des groupes armés dans l'Est de la République démocratique? Comment dire que les Rwanda... Les Rwanda a toujours été derrière, bien que les Rwanda nient ces atrocités au Congo officiellement. Mais officieusement, les gens savent. C'est qui les parrains du M23? Les M23 des ramifications avec les Rwanda, ça c'est dit, c'est connu. C'est Tshisekedi qui ne comprend pas ça. Tshisekedi veut nous légitimer, Paul Kagame. Il veut nous fiabiliser Kagame. Mais il oublie la mémoire collective. On n'efface pas la mémoire collective. Ce que le Rwanda a fait au Congo, soit fait, soit fera. Les Congolais de génération en génération n'oublieront jamais cela. Les Rwandais n'accepteront jamais une stabilité au Congo. Parce que c'est un pays qui puise au Congo pour se développer. Il faut que le Congo soit instable. Et Tshisekedi n'a jamais compris ça. Tshisekedi veut nous mener avec son gouvernement une liaison diplomatique. Mais qui a échoué? Vous êtes en parfaite harmonie avec Kagame. Mais, on voit les FARDC nous appréhender ici, nous arrêter des éléments M23. Touti! Avec une déformologie touti. C'est Tshisekedi qui ne comprend pas ça. Tshisekedi ne comprend pas qu'il ne devait pas faire confiance à Paul Kagame. Il ne fallait pas. Nous, hein, les Guarando, on gagne quoi, on perd quoi. Même si on rompait nos relations diplomatiques, nous en perdrons quoi. Mais regardez, c'est l'aventure, ce qui se passe. Les QG des Rwandais, c'est maintenant Goma. Tous les vols à l'international des Rwandais, c'est maintenant Goma. Mais nous avons une flotte ici, notre entreprise aérienne ici est en faillite, Congo Airways. Mais je me rends, je vois le seul avion qui nous reste ici, Patrice Emery Lumumba. Soit ceux qui arriveront là, installer aussi un Kija qui est dans une des villes du Rwanda. Quand l'Ouganda va à Bunagana pour chasser les M23 parce qu'il y a une désertion de l'armée congolaise sur les champs d'action, c'est quelle image que ça donne? Ça signifie que nous avons deux armées étrangères qui se battent sur nos sols, qui se traquent chez nous. Comme les Kinois disent, Bazoko s'est tracané chez nous. Et comme ces deux pays qui sont toujours en compétition en ce qui concerne le développement, Museveni a compris que le Rwanda s'est développé grâce au Congo. Qu'est-ce qu'il fait? Museveni vient chez nous. Museveni vient chez nous. Mais en prétextant que nous devons mutualiser nos forces pour traquer les ennemis. Mais qui sont ces ennemis-là? C'est les FDLR? C'est les M23? C'est quels ennemis-là que nous avons ici, que l'armée ougandaise doit traquer chez nous? Suivez les propos de Kagame. Quand il vous dit, devant la représentation rwandaise, hein, je crois devant le Parlement rwandais, nous suivons de près tout ce que les ougandais font au Congo. Donc le Congo est devenu un champ de bataille des Rwandais, des Ougandais.
qui doivent se battre comme quand ils veulent et tout comme ça. Et c'est quelle image de l'armée congolaise qu'on dit qui est montée en puissance, où c'est la 8e armée en Afrique. Je ne vais pas jeter en pâture l'image de nos militaires, non. Mais vous fouillez un champ de combat, et puis directement, c'est l'armée ougandaise qui arrive. C'est quelle image? Donc, pour vous dire quoi, Claude Perrault-Louara, c'est peine, nous avons deux pays qui se rivalisent chaque jour, qui se supportent pas, mais viennent se neutraliser au Congo. Et donc, un grand danger pour nous. C'est un grand danger. Ils se neutralisent sur le plan militaire au Congo et ils s'enrichissent au Congo. Et la faute, c'est M. Tshisekedi qui laisse le leadership est faible parce qu'on n'aime pas anticiper. Il faut que Fayulu devienne président de la République. Moi, je n'ai pas dit que Fayulu devienne président. Non, je pose des questions. Je n'ai pas dit que vous avez dit ça. C'est légitime si Fayulu devienne président de la République. C'est là où je dis. Vous pensez que Fayulu aura un leadership beaucoup plus fort que celui de Tshisekedi? Moi, sincèrement, je l'ai dit. Même beaucoup de gens le regrettent en privé. Beaucoup, mais déjà, beaucoup de gens, pas n'importe lesquels, des personnes informées, influentes, des autorités les disent ici, si c'était fort à la place de Tshisekedi, les pays allaient vraiment être sur une bonne tangente. Si c'était Fayulu à la place de Tshisekedi, beaucoup de personnes les disent ici. Et tu le sais, beaucoup des autorités les disent ici. Même les gens du FCC les disent. J'ai rencontré 5 classiques, 7. Au-delà même classique du FCC, me dire Yves Bouya. Si c'était Fayulu à la tête du pays, les pays allaient être sur une bonne direction. J'ai dit, mais c'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Vous avez tripatoué la victoire du peuple, des Fayulu, pour mettre un accord avec Tshisekedi, pour gérer les pays, un accord de co-gestion. Je vois certains tweets ici. Toujours que ça a fallu victoire, Naï. Si c'était Fayulu, oui. Fayulu au travail international. À ExxonMobil. Si c'était Fayulu, oui. Il y a beaucoup de gens ici qui ont travaillé, qui sont des carriéristes. Kamer est un carriériste. Tu sais qu'il ne l'est pas. Le président de la République. Écoutez, il y a d'abord eu trop de doutes sur son diplôme. Trop de doutes là où il a travaillé. Le travail où ça posait problème. La CENI, des fois, on disait peut-être quand il fallait remettre les CV, ça posait problème. Ça, c'est des informations qui nous sont parvenues. Tu vois, moi, si on dit, mais le président de la République, il a travaillé. Oui, les entreprises, là où il a travaillé. Il a été où? Le président de la République, l'État là où il a travaillé, c'est peut-être à UDPS. Secrétaire en charge des relations extérieures. Président du rassemblement. Vous voyez un peu. Mais quand je parle des carriéristes, c'est des gens qui ont fait carrière dans un domaine. C'est à peine le président de la République qu'on peut dire, comme grande fonction occupée, comme personne, c'est être président de la République. Mais il y a des gens qui ont été... Donc sa première grande fonction, c'est le président de la République. Président de la République, sa première grande fonction. Et c'est l'erreur que nous avons commise, connue sous Kabila aussi. Non, mais Kabila était quand même général, hein. Non, mais écoutez, général. Kabila était commandant de la force terrestre. Oui, oui, général. Mais Kabila avait déjà un diplôme. Mais son père, écoutez. À l'Académie militaire en Chine. Non. Son père l'a bombardé et puis l'a envoyé pour étudier. Mais il a quand même Il a bombardé des grades. Mais quand je parle des carriéristes, c'est là où je dis que les pays doivent être gérés par des carriéristes. C'est ça qui a développé l'Europe. C'est ça qui développe d'autres pays. Des carriéristes. Des gens qui ont une certaine maturité, une expérience. Mais qui était Lula? C'était un ouvrier. Mais regardez comment est-ce qu'un ouvrier a transformé le Brésil. Je vois Kamere dire ici, je vais transformer le Congo à l'image du Brésil sous Lula. Mais qui était Lula? Il est venu d'une classe. Une république se forme, se fonde, se transforme de personnes venues des classes. Et qui font carrière. Il monte. Il dit, bon là, voilà, j'ai l'expérience de ça. Et c'est le problème que nous avons. Certains ministres ici, certains conseillers que nous avons ici, ne savent même pas ce que c'est un signateur. Ils ne savent pas. Mais toi, Claude Perrault, tu le sais, peut-être que tu as rodé, tu as travaillé dans certains cabinets. Tu es journaliste ici, 18 ans. 18 ans, ouais. Tu es carriériste. Donc, tu montes un moment. Quand on te confie des responsabilités, tu sais, ça, je peux, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Et c'est là où j'ai dit, qui nous dirige? Le leadership pose problème. Et ça renvoie à la faiblesse du leadership. C'est aujourd'hui le président de la République d'échanger des paradigmes. Il peut avoir la volonté. Oui. Mais c'est les ressources humaines aussi. Les ressources humaines. Qui accompagne le président de la République? Tu peux avoir une vision. Mais qui t'accompagne dans cette vision? C'est comme toi, tu es ici dans CPL. Tu as une vision que tu as portée, mais tu as cherché les ressources humaines. C'est ça le vrai problème. Donc, le Congo doit avancer avec des carriéristes. Des gens qui viennent d'une certaine classe et qui montent, qui évoluent. Et quand ils ont des postes à responsabilité, c'est des gens qui savent bien gérer. Et quand on ne les fait pas, ça pose les problèmes. Le leadership posera toujours problème. Allez. Et on la place dans des petits pays comme le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, nous malmener. Et ça exalte notre faiblesse. Allez, une heure d'émission avec vous, M. Bouya. Grand plaisir de vous avoir retrouvé. Merci, mais j'allais dire quelque chose de très important. Allez-y. Monsieur Matata, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Ah, dans le refus de la Jeep. Ça, c'est oui. C'est 2 millions engloutis pour ça. On a donné. On dit qu'il n'a pas de laissoir de nos gens. Lui aussi, là, non, il va faire beaucoup écoutez, Alonso. Écoutez, il y a des rapports d'Élysée contre lui. Il a construit des universités, des hôpitaux avec de l'argent. Écoutez, dont certains contestent l'origine. Beaucoup ont volé ici. Ils ont fait quoi? Les Kassai. Les Kassai, c'est plein ici, non? Kassai, Bongité. Mais la plupart des autorités qu'on a connues comme premier ministre, la plupart, c'était des Kassaiens. Moi, je préfère quelqu'un qui pille la République, mais il a des actes qu'il pose. Tu pilles la République, c'est pour ta femme et tes enfants. Donc tu soutiens un voleur, mais qui construit pour la République. Moi, je suis d'accord. Mais regardez ce qu'il a fait à Kindu. C'est bénéfique à Kiamatat ou à nos compatriotes. Il n'a jamais été trop tard de mieux faire. Donc vous avez été heureux de lire Matata dire non à... Très heureux, 40 millions de dollars. Monsieur, écoutez, ces palissades-là, c'est 27 millions qui ont été sortis. Non, 27 millions seulement pour l'Assemblée nationale. Quand on met avec les Sénats, Matata parle de 40 millions. 40 millions? Ouais. Pour l'Assemblée nationale, c'était 27 millions. Quand on ajoute les 109 qu'on a donné à ces sénateurs... Qu'est-ce que nous avons? C'est 4 millions. Des professeurs impayés, la classe sociale mal payée, rien ne marche au pays... On n'a plus d'avion. Matata dit que on 40, plus millions, 40 millions peuvent acheter deux avions de moins de 10 ans. Oui, mais quand quelqu'un dit non, il pouvait bien l'avoir, c'est un droit. C'est un choix qu'il a fait. La vie est faite des choix. Il dit non, je ne prends pas. Il pouvait prendre ça, donner ça à sa famille, à sa femme, à ses enfants, peut-être à ses proches collaborateurs, à un de ses proches collaborateurs. Mais il dit, le fait de dire non, il refuse que 40 millions soient engloutis dans des bêtises. C'est des bêtises, ça. C'est des bêtises. Et on nous dit la République est pauvre. On n'a pas d'argent pour ça. Mais là, 27 millions pour le député. Et quand tu prends 27 moins 40, je pense qu'il y a... il y a un surplus de 10, plus de 10 millions et quelques. Être englouti pour... Les sénateurs. Mais il y a quelqu'un, 13 millions. Il y a quelqu'un qui dit non, je ne peux... Je refuse de prendre ça. Il prend ses courages. Moi, je lui dis merci. Monsieur Bouya, merci. Donc, là, de bravo vous, à monsieur Matata. Monsieur Matata, quand même, merci pour ce courage-là. Beaucoup de députés, il a fait ça comme les Ados Nomasi l'ont fait. Les députés ont décidé. Ados Nomasi, la première fois, Chante Massé, quoi, Kassé, quoi, Massia, là, qui est décédé. Celle qui est décédé, oui. Kassé, quoi. Les 5 députés décidés, ils ont dit, on ne prend pas. Bravo, je dis bravo. C'est les fruits de la corruption. Et je dis bravo à Matata qui a refusé de prendre un fruit de la corruption. Ça, c'est la corruption. Parce que les députés-là, tous là, les sénateurs, ils ne manquent pas de véhicules. Mais il a dit non, je refuse de prendre ça. Je refuse. Moi, Matata, je refuse. Je dis bravo à Matata. Merci beaucoup. C'est quand même un geste encouragé. Merci. Merci beaucoup. Allez, l'émission est terminée. Je rappelle qu'on recevait notre confrère Yves Bouya. CNews, ton choix, c'est quoi? CNews Plus. Non, CNews One. C'est New Zone. On a eu des problèmes au Kéba et bien qu'après, il y a eu une diplomatie des couloirs qui a joué pour que j'ai... J'étais heureux de voir Moukeba, il s'est réconcilié avec Safou aussi quand même.
Bon, oui, c'est parce qu'on a cheminé ensemble. Ça nous dérangeait aussi des fois. Ça t'a dérangé aussi. Quand je voyais Safou se plaindre chez moi, ça me dérangeait parce que c'était des grands amis. Et ça me dérangeait des fois. Mais j'ai vu, c'est arrivé. Donc, on veut plus se voir ses amis se mettre ensemble. Et Moïse a plus besoin d'être pour Kinshasa. Parce que lui, Kalombo, Mike, Safou, ce sont les lieutenants de Katumbi sur Kinshasa. Bien que Kinshasa, ce n'est pas n'importe quelle province. On verra. Merci. J'aimerais dire quelque chose d'important. Je venais de Dubaï. Beaucoup de gens m'ont appelé. Oh, Basombi, oh, Tshisekedi, mais non. Eh, Babi, tu sais qu'il y a... Ozu m'appelle, hein. Nazu m'appelle, Babi, tu sais qu'il y a... Basombi, oh, Bapézingambongo. Père Oluara. J'ai des convictions que j'ai... Tshisekedi, la personne, mon. Babi, tout à l'heure, l'Andoni, oh, critiquer. Babi, oh, la route à Tshisekedi, à Dubaï. Je n'ai pas vu le président Koussa, mais moi, je faisais mon travail. Je suis sorti sur Kinshasa avec un ordre d'émission signé Jean-Lucien Boussantongba, le ministre du commerce extérieur, c'est lui qui a piloté l'organisation. Mon ordre d'émission n'a pas été signé Guylaine Yembo. Non. Ça n'a pas été signé Guylaine Yembo. Si mon ordre d'émission était signé Guylaine Yembo, qui m'apporte l'ordre d'émission, Monsieur Boussa m'appelle, Monsieur Bouya, il sait que tu es un garçon intelligent, je veux que je vous couvre cette affaire. Est-ce que tu es capable de m'accompagner parmi ces jours? Je dis oui, c'est mon travail, je vais faire mon travail. On appelle le Koumio, tu sais qu'il y a son bio à Dubaï. Mais Dubaï, c'est quoi? Nous, dans la position, Olive, yo, Nani, Denise, yo, Kabila, yo, Siro, yo, Fayou, yo, Perro, tu sais qu'il y a yo, Perro, Louara, nous dans la position. Perro, Perro, Louara. Même à Robo Mayo, il y a, la bande d'Abou, nous sommes au lien poison, vous voyez, bâté, papa. Non, il y a canté. Babi, tu manges dans tous les râteliers. Bâti, moi, le bafort. Bâle, le blanc. Atelina Zulia. Babu Zulia. Babu Zulia. Au commis, on a dit que c'était. Oh. Comment vous l'avez dit que c'était? Babu Oliou. Tu m'en as dit que c'était. 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 Bon, on peut s'en mettre à l'issue, c'est notre président. Non, mais t'as la cagnotte. Non, moi, je ne peux pas, moi. Si le président me salue dans Roboyaté, il est président de la République, dans Roboyaté. Mais inventer des choses sur moi, c'est grave. Pour que j'aille seulement à Dubaï, Dubaï qui? Dubaï! Les gens font des histoires. Et même un rapport pondu au président de la République sur moi. Un des ministres ici, je refuse de citer les noms ici, a été malmené pour moi. Pourquoi est-ce qu'ils ont mené Yves Bouya à Dubaï? Yves Bouya nous combat, Yves Bouya nous critique. Qui l'a malmené? La présidence de la République? Ben oui! Un ministre dont j'étais les noms, il a reçu des pressions sur moi. J'ai appelé ses ministres, j'ai dit Excellence, merci pour le soutien. Un rapport. Yves Bouy est parti à Dubaï. Mais si je suis parti à Dubaï, je le mérite. Je ne suis pas piètre. Je suis intelligent. Pas le fond, nous. C'est la mission de l'autre. Mais c'est le bon. Quand on dit Dubaï, on a dit Dubaï. 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 Au sein de la reportage médiatique, c'est que la mise sur toi, tu répètes quelque chose. Mais les bémols que j'ai, moi je suis journaliste, j'ai fait mon travail. Dans un journaliste, il y a Fahou Youté, dans un journaliste, il y a Mouzi Toté, dans un journaliste, il y a Bembaté, il y a Katumbité. Mais je soutiens des convictions. Ma conviction dans les alliés, il y a Lamouka. Et je soutiendrai les Lamouka, Fahou Mouzi, tout ça, ça reste ni prix, ni argent. Mais quand on m'appelle pour mon travail, je vais faire mon travail. D'accord. Mais je regarde aussi. Dans ma production, tu as en difficulté. Ça aussi, on voit aussi. Pour nous, on a en difficulté. Yo, on m'a ramené à Olive. J'ai été fait un reportage à Olive. Bah, t'es dépêché, ma feeling. J'ai été chez Madame Denise Nyakero. Quand il fallait faire notre congrès de Mwanda, on a discuté avec elle. Bah, ça va être inimité. Bah, ça va congolais, bah, congolaise. Peut-être l'opinion est à Naïdet sur Bango. Je vais au PPRD. Pour faire mon travail, pour apprendre des informations, Chadar et tout, j'ai fait comme toi tu l'as fait. Tous ceux qui jouent sur le téléphone, on appelle des gens pour avoir des informations. Mais quand tu te dis, ça je peux prendre cette défense. Tu vas dire, non, ça je peux pas prendre, sinon ça va me griller. Et tu t'étais. Et ça va de la conscience, de la plus professionnalisme. Mon maquillé tangui, non. C'est ça. Sinon, ton travail c'est de dénoncer. Mais pas que non, au sali, qui mouillibi. Makila Batou, faire redénoncer pour l'argent Mouzoba, il y a Mbongo. Tu veux défendre l'indéfendable.
Péroloa, je ne défendrai jamais Mabou, il est défendable. Ok. Et si lui? Et si la place dans le bégué, non. La KI, la ordre d'émission, il y a Guylaine Yemboté. Quel est Jean-Lucien Boussa? La KI, la ordre d'émission, signé par M. Jean-Lucien Boussa pour faire mon travail, je suis rentré. Et il m'a fait un peu mal à Bélé. Oh, tu n'es pas Katoumbi, pas Nanokuna. Oh, Katoumbiste! Hein? Oh, maintenant, tu comprends, dans la même position. Mais comment identifier ta faillite? Hein? Même dans la position. Si on a mis la position, mais oh, Claude Pouloua, Aram da Katoumbi. Mais tu comprends, tu as la position, mais tu identifies à Bissot par rapport à ma leader politique, mon robot. Tu as la position, ah, Yakoutou Abomara Bissot. Est-ce que ça, et ça les manque? Donc, moi, je suis journaliste, j'ai fait mon travail. Partout, on m'appellera, Claude Pérou-Louara, j'irai faire mon travail. Mais dans ma condition, je suis en difficulté. D'accord. Ça, je veux que ça soit clair. Bah, tu as dit que tu as dit que tu Yves, merci beaucoup. Merci à toi, Claude Pérou-Louara. Merci. Courage à toi. Merci. Bah, message à Dubayot, qui t'apprécie beaucoup. Bon côté. Dans un endroit, il a joué. Tout le monde en a joué. Donc, continue comme ça, du bon boulot. Tout ce que. Comme on est Péto. Diaken, les fils Péto. Le fils d'Yankien d'Ampeto. Donc. Il y a foufou dans le restaurant. Alors, non, en juillet, t'envoie une invitation. Il n'y a pas de problème. Ça, je l'ai dit officiellement. En juillet, il t'envoie une invitation aux Alawana. J'ai beaucoup bénéficié en ton nom. J'ai beaucoup bénéficié en ton nom. Hein? Allez, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes. À demain. Bonsoir chez vous. La boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.